si 2025 n'était pas une année comme les autres? Des phénomènes cosmiques jamais vus sont déjà en marche. Et le ciel nous cache encore bien des choses. 2025 a déjà marqué le ciel de phénomènes incroyables. Et d'autres merveilles nous attendent encore. Entre éclipses, pluies de météores et danses planétaires, cette année restera gravée dans l'histoire du cosmos visible. Le 29 mars, une éclipse partielle du Soleil a captivé l'Europe et l'Afrique du Nord. Pendant quelques instants, la Lune a rappelé qu'elle pouvait, malgré sa taille minuscule comparée à celle du Soleil, masquer son éclat par une coïncidence cosmique parfaite. Un tel phénomène se produit lorsque notre satellite projette son ombre sur la Terre, résultat d'un alignement rare et d'une mécanique céleste d'une précision remarquable. Et le spectacle continue. Le 7 septembre, la Lune s'était couverte d'un voile rouge lors d'une éclipse partielle. Cette lumière rougeoyante, presque surnaturelle, était causée par la réfraction des rayons du Soleil à travers l'atmosphère terrestre. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 21 octobre, les Orionides illumineront le ciel. Ces étoiles filantes proviennent de la célèbre comète Halley, qui a laissé derrière elle un nuage de poussière cosmique. Chaque particule, minuscule grain de poussière, pénétrera notre atmosphère à plus de 60 km par seconde, s'enflammant dans un dialogue silencieux entre l'infini et notre ciel. Viendra le 17 novembre. Une super lune baignera la nuit, apparaissant 14% plus grande et 30% plus brillante qu'une pleine lune classique, car elle sera à son périgée, au plus près de la Terre. Cette variation spectaculaire vient de l'orbite elliptique de notre satellite, parfois éloignée, parfois si proche qu'elle magnifie nos nuits. Enfin, le 3 décembre, Jupiter, la géante gazeuse aux plus de 80 lunes connues, se rapprochera visuellement de notre Lune. Ce rendez-vous céleste, visible à l'œil nu, unira deux mondes radicalement différents dans un spectacle unique. Tout au long de l'année, les équinoxes et les solstices ont rythmé et rythmeront encore nos saisons. Quand le Soleil traverse l'équateur céleste, jour et nuit s'équilibrent parfaitement. Ces instants rappellent que derrière chaque spectacle se cache une mécanique céleste précise. La gravité, les orbites, les cycles éternels. Observer le ciel, c'est aussi voyager à travers le temps. Car la lumière que nous captons des étoiles et des galaxies a souvent parcouru des millions d'années avant d'atteindre nos yeux. Et si chaque phénomène n'était qu'un indice, un message discret de l'univers sur son immensité et ses secrets encore invisibles? 2025 n'est qu'un chapitre. Demain, d'autres éclipses, d'autres pluies de comètes, d'autres révélations viendront enrichir notre histoire cosmique. Ce n'est que le début. D'autres événements cosmiques nous attendent. Levez les yeux, car le ciel est vivant, et chaque nuit nous raconte l'infini. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer la deuxième partie, encore plus fascinante, troublante et peut-être révolutionnaire.